Voyez-vous, c'est la nuit, c'est très tard. Alors, chut, on ne fait pas beaucoup de bruit. J'ai avancé le travail. Vous savez, je travaille sur l'hommage. L'hommage à Weisbuch. Ça. Eh bien, voilà, j'ai un peu avancé. J'essaie de finaliser un peu la partie cheveux là. Ça, les deux là, on les voit ici et ici. Et là, il y a cette cadre de lumière. On le voit, l'artiste avec ça. Moi, je me suis plus concentré sur un moment où il est plutôt jeune. Il fait nuit, le sommeil va nous aider. Parce que sa ressource et la création a besoin aussi des yeux. À bientôt! Bonjour les amis, et là je vais vous montrer un petit hommage que je fais, que je ne montrerai pas, et c'est que vous allez voir, regardez. Donc ce travail-là précisément n'apparaîtra pas dans le choix final. Alors vous demandez, pourquoi un mug? C'est un peu comme l'image aujourd'hui, quand quelqu'un est connu, quand quelqu'un devient célèbre, qu'est-ce qu'on fait? On lui fait un mug. Il y a une part peut-être de dérision, mais il y a une part de vérité. Et là on voit le portrait de qui? De Rembrandt, dessiné par Weisbuch. En fait, il fait pas beau, mais il fait presque nuit. Avant la nuit, on a plein de projets à finaliser. Et quand on est artiste, on court après le temps. Ici, derrière moi, il y a une boîte. Je peux enfin expérimenter ce que vous avez vu un peu à l'image. J'ai reçu ma fontaine. Yes. Alors voilà. Voilà ce que j'ai reçu. On va tout installer. Ça fait de la poussière blanche, de la neige comme ça. En plus, c'est une pollution. Pas bien. Ici. Je vous vois. L'eau va tourner dessus. Et ça va faire. Et oui. Et comme c'est la nuit, on ne verra pas ça. On ne verra que l'eau. Il y a une étiquette aussi, mais ça, je ne vous la montre pas. Bon. C'est comme une antenne. Le système électrique et tout ça, je ne l'ai pas ici, je dois le chercher. Alors, je vous laisse tout seul. Attention. Bon, si vous aimez bien mes vidéos, abonnez-vous. Et surtout, n'oubliez pas, cliquez sur le pouce bleu.